Je vais m'amener vers la porte. Je dis, Père, aujourd'hui, que cet homme sache que je suis ton serviteur. Amen. 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 Je voudrais prier pour les Thank you.
Maman, tu as passé à l'île aux autres là. On est là pour la ligne. Papa, on a ouvert la maladie pour pas la nouvelle vie. La nouvelle vie, la bombita, la manita, la la gamanga. Ça fait la boue à 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 la gamanga. Invite ta soeur. Invite ton ami. Invite ta famille. Invite ta famille. Demain c'est le dernier jour. L'homme est mon cola souka. Qui dit amen? Nana lobi amen. La Bible dit. Il dit lobi. La fin d'une chose. Souka likambo. Vaut mieux que son commencement. Il est qui est bandel nango. Demain. Lobi. Si Dieu me le permet, ce qui est passé quand c'est là, je poserai mes malades qui sont là. Na boti amo na mabeli bazakuna. Si j'aurai le temps, ce qui na boswa temps. Mama, if Ipa, love is crazy, love is funny. Thank you.
ton Dieu est mort. Que Dieu soit loué. Sans plus tarder, tu as dit que sa maman a son la service. Mais il a précisé. Tant que vous avez une offrande, vous avez une offrande pas à vous sauter. Vous avez remarqué que vous avez après service à maman. Vous avez une na maquette où il y a une simi. Et ça, tissu à couleur rouge. Vous avez une offrande pas na bango. Omoni basana teni o bango nyonso basana ngwana de peur que otia offrande na yo nesiko kanisiye ko sunga mosala nzambe eleki na nzela mususu. Que Dieu soit loué, que Dieu soit loué. Nous saluons la présence de l'homme de Dieu, le révérend Abodé Poi, le président provincial, le président de l'assemblée provinciale ya ville de province de Kinshasa. Ami ben na yemo papa leki na la puissance. Est-ce que vous êtes mon nom ya bien pour nous célébrer l'arrivée, il y a Papa Lédiou, que Dieu soit loué. Sans plus tarder, j'appelle une servante de Dieu, elle a une grâce exceptionnelle. Elle a une grâce exceptionnelle. Azali, mon coeur, ma chérie, mon royaume, ma bisou. Ensemble, aidez-moi. T'as un tapis à mon lolo, à ma boko, pendant que la zomena, révérende Judith, que Dieu soit loué. Quand on est mon zomé, t'es ma boko, yomé, ma boko, t'es ma boko. Maman, vous avez des assémences, vous pouvez compter à mon Nicolas Goya. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Amen. Zama Pambola, yo ma casse. Quand on a l'ingé à la bine, ma casse, qui vient nous. Nayebite koto na sali bango problème nini oyo bafandele linga boye oko kanisa bayelinga na nani oyo. Alléluia. Zofrande, zofrande, zofrande na yo lobi opesa ki mabonza te Bible lobi bayaka na ndako na nzambe maboko pamba te. Awa tosana kati ya ndaku na nzambe. Nalendisa yo nini po deja osana lipambo lili bosona yo. Yango na sosenga taka oso ofrande yo moko. Ofrande oso chalelo. Oso lo bakomo na ngolo piko ya bomo inanga ya libela. Aleluya. Ofrande alelo komo na ngolo piko. Ya bomo inangai, ya libota nangai, ya bana nangai, ya ndaku nangai. Soko yaki na bana, so ofrande simbisa ye na maboko, pesa ye, loba oyo ofrande, ya lopiko ya bomo inabiso, tango kilezolo ba mipepeza makasi, mabeza makasi, mabezo lieka. Omoni nengo sawana, na linga kayo mingi. Na minito yoyoyoyo. Saki na kwei. Yoko loko tangai. Saki na beli. Yoko tombo langai. Saki na zipasi. Yoko salapasi na yo. Saki na salili sumu. Yonde mutoko zipa ngai. Nzanga pesa kayo. Loko la likago. Ngana linga kayo. Olinga kaya eh. Lokolo linga kaya yambaye, yambaye taka yambaye. Kwa na linga kayo makasi, na linga kayo mingi. Esko yambie, natunye esko yambie. Sikoto beka mamboko makasi pebi lolo. Satana yoko soli. Yes, yes, yes. Amen. Amen. Nous allons prier.
Seigneur éternel Dieu Tout-Puissant, je te rends gloire, je te bénis pour ta présence ce soir au milieu de nous. Merci pour ta grandeur et tout ce que tu vas accomplir ce soir. Manifeste ta grâce et ton amour au milieu de nous. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Écoutez-moi ce soir. Je voudrais parler à une personne qui est ici présente. Hier, des personnes ont laissé des vélos ici. Et cette personne qui a parlé de béquille, ils ont fait des miracles extraordinaires. Je viens vous annoncer un homme. Cet homme, l'homme de Galilée. Cet homme, il est le tribu de Judas, l'agneau de Dieu. Cet homme est le bateau de Moïse. Cet homme est l'arche de Noé. Il s'appelle Jésus de Nazareth. Et je voulais dire à quelqu'un, le temps de miracle n'est pas encore passé. Le temps de miracle n'est pas encore passé. Ce qu'on a vu hier, on le verra aujourd'hui. On le verra demain. On le verra dans les jours qui viennent, les années qui viennent. Écoutez-moi vous dire ces choses. La fille a des surprises, des fois désagréables. La fille nous surprend plusieurs fois. Il y a des gens parmi nous ici. Ils se sont dit, je veux me marier, je serai heureux ou heureuse. Mais quand ils se sont mariés, il a trouvé le contraire. Peut-être il a divorcé. Peut-être il a perdu le mari ou sa femme. Peut-être la maladie l'a surprise. Une autre situation lui est arrivée. Beaucoup de gens comme ça. Non, je vais voyager. Je vais aller aux États-Unis. Arriver aux États-Unis. Arriver au Canada. Arriver en Europe. Aujourd'hui à l'hôpital. Demain à l'hôpital. Aujourd'hui opération. Demain opération. Il y a des gens qui se sont dit, dès que je vais terminer mes études, je vais trouver un travail, je serai stable. Donc là, rencontrer les contraires. Je connais une histoire dans ma jeunesse. Angaba. Il y avait une famille qui était à côté de nous. Une famille de 6 enfants. 5 filles et un garçon. Et le garçon faisait la médecine. Il faisait la médecine. Et c'était la dernière année. Laisse-moi te dire une chose. Le papa de ce garçon, on l'invitait. Quand dans votre palmier, il y a des noix de palme qui ont rougi. Ils viennent couper. Et vous lui donnez une partie des noix de noix de palme. Et il va donner à sa femme qui va le vendre sur les cartons, sur les sacs. Et la maman de ce garçon, elle vendait le foufou de sa con, que nous disons. Alors tout l'espoir de la famille reposer sur cet enfant. Il va étudier. Il terminera. Il est en terminale. Nous aurons un maintien dans la famille. Écoutez, le jour de la collation. Ce jour-là, la famille a tout fait. À l'époque,
Quand on a une fête, on mettait des rameaux. Ils ont mis des rameaux pour la fête. La famille s'est débrouillée avec des petits uniformes. Et puis les Thompson et la Chikwa, ils ont loué des taxis pour aller accueillir la fête. Qui dit amen? Amen. Mais ce matin-là, la tongo wana, ce garçon, il était mon balio, il avait sa chemise. À ce moment-là, l'ambala yé. Il est parti et allé sur une barre de fer. Agero tanda mon ali bende. Alors que les barres étaient locoquitées. Zoga neli bende zagi na lo tiliki. Le garçon était locoquité. Oh, moi mon balio, quand on vient à courant, il est mort. A koufi la poissa. Et la famille va avec les sifflets. Ils chantaient. Ils dansaient. Ils étaient là. Mais tous les amis de leur fils. Ils voyaient la maman, ils fuyaient. Après le monde de famille, ils fuyaient. Mais ses sœurs chantaient. Alors, ils chantaient. Il est arrivé au moment où on devrait appeler les gens qu'on devrait coller. On a commencé à citer les noms. Quand tu es arrivé au nom de sept enfants, tout le monde a commencé à prier. On ne comprenait pas pourquoi ils pleuraient. Les gens pleuraient. Les amis pleuraient. Ils sont venus se jeter sur la maman. Mais qu'est-ce qui se passe? Votre fils est à la mort. Définis la déception de la famille. Qui compte sur cet enfant? Définis cette famille. La maman est morte il y a 3 ans passés. La maman était devenue folle. Elle ne porte plus de chaussures. Elle ne savait plus s'habiller. Pour dire à quelqu'un, c'est sourd. La fille a des surprises désagréables. Je parle à quelqu'un. Peut-être tu passes de tel moment, de telle situation. Tu as fait des projets. Je vais commencer mon ministère. Je vais voyager. Je vais faire ceci. Mais malheureusement, cela a tourné au final. Comme cet homme. Dans son histoire, cet homme était avancé en âge. Cet homme n'avait pas d'enfant. Et je crois, il priait. Il fallait que Dieu joue pour le visiter comme toi tu pries. Seigneur, guéris-moi de cette maladie. Seigneur, bénis ma famille. Je viens d'une famille pauvre. Je viens d'une famille misérable. Je vais me marier avec un homme qui va m'aider. Je vais faire ceci. Je vais aller à Dubaï. Mais cela a tourné au vinaigre. Et cet homme qui s'est lamenté, qui cherchait un jour que Dieu puisse le visiter. Avant Sana, un jour, il vit sa femme enceinte. Quelle danse dans la maison. Quelle joie dans la maison. Ils étaient très heureux d'avoir reçu un enfant. Mais malheureusement, l'enfant est né. L'enfant commence à grandir. On constate une anomalie. L'enfant ne parle pas. L'enfant est sourd. Il est muet. Ça ne s'arrête pas là. L'enfant souffre. Une maladie comme l'épilepsie. L'enfant tombe. La souffrance. C'est une autre souffrance. Je ne sais pas ta situation. Laisse-moi te dire, c'est sourd. Il y a des gens parmi nous qui sont grandis d'une très bonne famille. Mais aujourd'hui, tout est écroulé. Même les gens qui vous respectaient, même les gens qui vous admiraient, aujourd'hui, rien ne va. Aujourd'hui, abandonné, rejeté. Mais je vais dire à quelqu'un, même si tout le monde t'a rejeté, même si tout le monde t'a refusé, même si tout le monde t'a
Galilée. Il s'appelle Jésus. Il a dit, je t'abandonnerai jamais. Je t'oublierai jamais. Quel que soit le temps, quel que soit les circonstances, il dit, même quand tu traverses la vallée de l'ombre, de la mort, au moment où tu es à l'hôpital, ils vont dire, il est dans la salle des soins intensifs. Ici, personne ne peut entrer. Même si ton mari, même si ta femme, fait tes voix, mais le médecin dit, ici, personne ne peut entrer. Tu es seul en train de lutter entre la vie et la mort. Tu es seul en train de creuser le temps. Et pendant ce temps-là, il y avait un ami, il y avait son frère malade, il s'est au l'église universitaire. Il est venu me voir me dire, évangéliste, est-ce que tu peux aller prier pour mon frère? Et nous sommes dans le clinique Ngali en partout. Et quand nous sommes arrivés, on a vu deux camps. Il y a le camp de la famille de l'homme de côté, et le camp de la famille de la femme de l'autre côté. Et tous les deux camps se regardaient comme des chiens échavaudés. Comme les gens qui étaient prêts à se dévorer. Alors j'arrive là-bas. Je demande au médecin de me faire entrer. Il me dit, évangéliste, son état n'est pas bon. Il ne faut pas crier. Et je suis entré. Et quand je suis entré, j'ai vu cet homme tout nu. Il était sur son lit. Il respirait difficilement. Il tirait les souffles au-dedans de lui. Je sors de la salle. Des bagarres. La famille de l'homme était la femme. En train de se battre. Nous devons voir les clés de la maison. On doit fermer toutes les chambres. Personne ne va entrer dans la chambre. On va prendre les clés de toutes les voitures. Les carnets des banques. On va tout faire. Mais la personne qui a souffert. La personne qui a travaillé. La personne qui a suivi. Était sur le lit. En train de lutter. Entre la vie et la mort. Mais ceux qui n'avaient rien fait. Ils se battaient. Pour te dire une chose. Tu peux travailler. Tu peux tout faire. Mais si tu n'as pas Jésus dans ta vie, même les gens t'acclament, même les gens t'applaudissent, même les gens te chantent. Quand tu n'as pas Jésus dans ta vie, peine perdue. Peine perdue. Peine perdue. Pour te dire, voici le temps, voici le moment. La foi du Seigneur, tu étais déçu, frappé par nous les pasteurs. Ah, je ne veux plus prier. On m'a fait ceci. Je ne veux plus prier pour ma famille. Ou bien tu te dis, j'ai mon argent. Je prévois. Mais laisse-moi te dire, l'argent ne te sauvera jamais. L'argent ne te sauvera jamais. La foi ne te sauvera jamais. Je crois que vous l'avez suivi une fois. La mort du PDG de la société Total. La famille, sa famille, c'est la famille propriétaire de ces vins que les gens boivent beaucoup, comment on appelle ça? Hein? Dans les fêtes, champagne.
C'est sa famille. De lui-même peut devenir de la grande société. Docteur à travers le monde. Il avait un jet privé. Et c'est là il était porté à Rissi. Pour conclure le contrat. Quand il se met décollé, quelqu'un est à travers le tracteur. Sur le terrain. Il a fait crash. Calciné. On n'a pas pu voir le corps. Il était comme des brères. Malgré son argent. Malgré tout qu'il pourrait avoir. Il n'a rien pris. Et toi qui m'écoutes ce soir, qu'est-ce que tu prendras ces jours? Tu n'auras même pas le temps de prendre ta chaussure. Tu n'auras même pas le temps de prendre tes bijoux. La chose la plus douloureuse, tu ne sais même pas où tu vas mourir. Tu ne sais même pas dans quelles circonstances. Peut-être le corps ne le verra pas. À travers sa pétée de feu, vous êtes noyé. Vous devenez la nourriture des poissons. Voilà pourquoi je dis à quelqu'un, malgré tout ce que tu as, malgré tout ce que tu es, malgré tout ce que la preuve dit, il y a un homme qui te cherche. Il s'appelle Jésus. Il y a un homme qui t'aime. Il s'appelle Jésus. Et la Bible dit, cet homme, ah Seigneur, oh Colo, j'ai cherché un enfant. La zone comme moi, la bataille. Je vais donner un enfant. Au Pessin à moi, un enfant problème. Moi, il m'a cambo. Il ne parle pas. Allo, bagaté. Il n'entend pas. Il est plus petit encore. La zone de malade est née. Et vous savez, les gens sont méchants. Oui, bat bazar, bat bazar, bat bazar. Il y a des gens qui s'est moqué de lui. Bat bazar, vous s'est caillé. Ils ont baptisé le nom. La Pessin au combo. Mais Jésus, Jésus ne le dira jamais. Pourquoi il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, je vous donnerai du repos. En dehors de Jésus, il n'y a point de repos. Écoute-moi ce soir, il n'y a point de repos. Et la Bible dit, cet homme a mené son fils auprès de Jésus parce qu'il a entendu parler de Jésus. Il est en train de guérir, qu'il délivre et on a mené l'enfant près de Jésus. Arrivé là-bas, il n'a pas trouvé Jésus. Il a vu les disciples, mais les disciples n'ont pas pu. Quand vous lisez les textes, avant que la personne arrive, les disciples étaient en train de discuter entre eux. Qui est le plus grand parmi nous? Qui est le plus grand? C'est ça la distraction dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui dans notre pays. Les gens vous disent, peuple de Dieu, à l'époque des groupes de prière, on n'avait pas de grâce. On s'appelait des frères. On portait des sandales tatalées qu'à l'Ekiawa. Avec des pantalons troués. Des chemises kata. La forêt de Kimwenza. Tout le temps on était là. On était amis. On n'avait pas peur. Il tirait le micro de l'autre. On n'avait pas peur de manger chez l'autre. Mais aujourd'hui, l'ennemi nous a insultés. Même tu as faim, tu as peur de manger chez l'autre. Parce que tu dis, est-ce que je ne serai pas empoisonné? Qu'est-ce qui va m'arriver? Et toutes ces choses-là ont détruit la puissance de l'évangile. La puissance de l'évangile. Maintenant, vous dites, on n'avait pas d'état de délivrance. Les Gétanaux chantaient. Jésus Azalia, le démoniaque s'était en train de tomber. Il y avait des délivrances. Il y avait des guérisons. Il y avait des miracles. Avec ces gens-là qui n'avaient pas de nom. Avec ces gens-là qui n'avaient pas de grâce.
chez les fidèles, sur les canapés, on dormait là-bas, on restait là-bas, on marchait à pied. Mais aujourd'hui, Dieu nous a bénis. On a des voitures, on a des belles maisons, on voyage, on peut compter les dollars. Où est ce Dieu là? Où est cette là? Nous sommes engloutis. Comme les divisions s'annoncent. Parce que tu es le destin. Tu as des choses inutiles. On a abandonné celui qui nous a ramassés. Celui qui nous a pris. Viens à bout. Oh frère. Oh, peuple congolais. Voici le temps. Revenons au Seigneur. Revenons à la croix. Le mage, il avait perdu le chemin. Ils sont allés à Jérusalem. Mais quand ils se sont rendus compte que ce n'est pas à Jérusalem que le fils est né, ils ne sont pas restés là-bas de chercher. Ils se sont dit, rentrons. Là, on avait perdu les droits. Rentrons là-bas. Et quand ils sont rentrés, la Bible dit, ils ont vu l'étoile réapparaître. Et ils ont suivi. Aujourd'hui, rentrons à la croix. Rentrons à la croix. Sortons de l'occultisme. Sortons de la balle juive. Sortons de quelle inutile. Sortons des choix de ce monde. Sortons et regardons vers la croix. Amen. Voici le temps. Voici le temps. Les apôtres de papier. Voilà pourquoi aujourd'hui, l'Église, les hommes de Dieu que nous sommes, nous avons perdu notre valeur. Écoutez-moi vous dire, on allait dans les maisons des ministres, on était à ma bouche, mais quand on arrivait, il tremblait, il avait peur, il disait les hommes de Dieu, sont entrés, ils avaient peur, même à l'époque du maréchal Mobutu, il a décidé même de fermer les cours de prière. Et à l'époque, le ministre de l'Intérieur de Singabutu, il a lancé les deux filles de fermer les cours de prière. Et nous avons dit, si Dieu est Dieu, si nous sommes les serviteurs de Dieu, cela ne se fera jamais. Et voici aujourd'hui, nous annonçons l'évangile parce qu'on était unis. Et la puissance est manifeste. Nous devons sortir de nos dénominations. Nous devons sortir de nos plateformes. Il est temps maintenant. Nous unis pour l'intérêt du Christ. Et regardons tous vers Jésus. Et pour vous dire, sans Jésus, qui devrait nous connaître. Dieu veut nous donner de la famille. Aujourd'hui, tu passes le jardin salé. Tu es dans l'aéroport. On ouvre la porte. Sans Jésus, qui devrait nous honorer. Sans Jésus, qu'est-ce qu'on devrait être? N'oublions pas où il nous a pris. Les disciples ont prié. Ils n'ont pas pris. Peut-être toi aussi tu as prié. Tu n'as pas pris pour ta situation. Tu as tout fait. Tu n'as pas pris. Mais ce soir, je dis à quelqu'un, voici le temps. Voici le temps. Quand les disciples étaient dans la distraction, Jésus était à la montagne pour prier. Est-ce que nous prions encore aujourd'hui comme avant? Cette vie de prière, est-ce que nous l'avons encore? On s'enferme dans les champs. Quand on te donne la prédication, qui presse autant dit que les derniers jours c'est aujourd'hui. Jamais on prêchait sans gêner. Jamais on prêchait sans gêner la face de Dieu. Tu peux lire la Bible toute la journée. Pour une prédication de 45 minutes. Mais aujourd'hui, nous commençons à prêcher par l'expérience. Par
conscience. Des messages. Qu'on aille dans le Facebook. Des messages. Qu'on aille dans le YouTube. Qui n'a pas de substance. Qui peut pas changer la vie des hommes. Je ne peux pas. Revenons. Et la Bible dit. Tout à coup. Ils ont vu les lions des tribus de Juda. Ils ont vu Jésus. L'homme de Galilée. Cet homme qui dit un mot. La chose arrive. Qui appelle à l'existence. Ce qui n'existe pas. Il arrive. Et quand il arrive, une vive discussion. Les pharisiens, les scribes, la foule, Mon fils unique. Il n'en avait pas deux. Il n'en avait pas trois. Le fils unique. Qu'il avait. Et il crie auprès de qui? Auprès d'un homme. Qui était aussi fils unique. Le deux fils unique. Le deux fils unique. Le deux fils unique. Et aujourd'hui, je voulais dire à quelqu'un, c'est tort qu'on appelle Jésus. Veux se rencontrer avec toi. Il veut se rencontrer avec toi. Écoute. Yoka. Je voyage pour Chikapa. Pour la première fois. J'ai pris l'avion CAA. J'ai mis les instruments. On a loué l'avion. Les protocoles des musiciens. Et nous sommes allés en campagne au stade de Gaza. Le premier jour de la croisade. On a mené un enfant dont la main était comme ça. Elle n'était pas toutes ces images-là. Depuis que l'enfant est né, la main était collée. Et pendant la prédication, Dieu guérit cet enfant. Il y a un autre enfant qu'on appelait Lema. Il était sourd, Dieu l'a guéri. Et maintenant, le miracle les avait opérés, avait bougé la vie. On a des images, vous pouvez lancer ces images. Nos frères musulmans ont dit, ça ce sont des faux miracles. Ce sont des arrangements. Nous avons une femme musulmane ici. Elle est affaire. Nous l'amenons. On va voir. Nous avons un thème dans les abattus à thème. Quand vous lancez un défi à Seigneur, il aime les défis. On ne défie jamais Dieu. Quel que soit ton pouvoir. Moi, la femme en cas, c'est celle qu'on montre là-bas. Elle est vêtue comme les musulmans. On l'a menée au stade. Et quand on amène cette femme, pendant que je parlais, pendant que je l'avais, un homme, je l'avais un homme. Cet homme-là, la Bible dit, à son nom, tout genou fléchit. À son nom, tout l'un confesse. Il s'appelle Jésus. Il s'appelle Jésus. Pendant que je parlais, dans la foule, elle a commencé à crier. Je vois. Je vois. Je vois. On courait vers la femme. Sur le podium. Elle me dit, je suis musulman. Âgé depuis les 60 ans. Le défunt. Que je suis avec plus de 20 ans que je ne vois pas. Maintenant je vois. Je dis, prends ce mouchoir et prends le mouchoir. Je lance l'appel. Des gens qui vont recevoir les saints. Ce jour-là, 21 musulmans ont donné la vie à Jésus-Christ. Ils ont trop, Seigneur. Et ce soir, c'est ton tour. Et arrivé le troisième jour, il y avait un enfant qui avait les pieds beaux.
Ne portez pas les chaussures. Vous marchez comme ça. Ce qui était à Chicapa, allons-y. L'enfant dit, je ne parle pas. Tu dois me donner ça. Toi, tu n'as pas entendu ce qui s'est passé. Je n'ai pas entendu. Je ne parle pas. Je vais avoir la main sèche. Guéri. La femme musulmane. Moi, c'est musulman. Guéri. Abiki. Aujourd'hui, moi, je vais prendre les choses. Oh my God. Oh my God. Cet homme m'a rendu fou. Cet homme, je l'adore. Cet homme, je l'aime. Plus que tout. Plus que tout. Cet homme qui m'a pris de la poussière. Cet homme qui m'a pris le meilleur. Comment ne pose pas les meilleurs? Le papa dit à cet homme qui vendait. Papa, si vous êtes dans la maquette, donne seulement. Pesaraga. Je vais te remettre après la campagne. Non, vous savez, c'est ma campagne. Pesaraga, ma soirée. Et vous savez, l'enfant dit ça ne va pas rentrer. Moi, je vais porter. Moi, je vais porter. L'enfant a fait de 14 ans. Moi, je suis 14 ans. Quelle foi! Quelle détermination! Le papa a pris le basket. Papa, c'est basket. Ils sont arrivés. Bah, na Cet témoignage n'est pas aux États-Unis. Et ça, les États-Unis. Cet témoignage n'est pas en Europe. Et ça, la porte. Cet témoignage n'est pas dans un pays étranger. Et ça, la porte, mais ici, au Congo, il y a des images. Pendant que je priais, cet enfant est tombé. Il a entendu ses jambes. Aïe, qui m'a colonné. Le pied se sont redressés. Le soir te dit, la fille a bougé. Je dormais chez papa Pierre, mais personne. Le matin, quand je me réveillais, je vois les gens sous les arbres. Les gens attendaient, ils me voient. Comment est cet homme? Je sors. Je vois beaucoup de gens sous les arbres. Je rentre encore à la maison. J'appelle papa Pierre. Mais qu'est-ce qui se passe? Les gens sous les arbres. Il dit les gens veulent te voir. Je leur dis faites le descendre. Mais ils sont descendus. Les gens commencent à les saluer. Et quelqu'un me touche. Et le beau qu'on est présenté d'habitude battu. Sa mère comme nous tous ici. Sa mère aussi est naturelle comme nous les autres. Comme nous tous. Quand tu es Jésus, tu n'es plus la même personne. La Bible dit, il te fait Dieu. La Bible dit, il te change. Il te transforme. Tu es une autre personne. Sois pour le peuple congolais. Si ce peuple n'est pas béni, vous n'aurez pas vos pères. Vous n'aurez pas les serviteurs de Dieu. Dans ce pays, les hommes de Dieu se lèvent la risée du pays. La risée du pays. Ils vous rejettent. Ils vous abandonnent. Alors que ces gens-là, ce sont eux qui sont chez nous. Pendant que vous dormez, vous êtes en train de ronfler. Sont à genoux en train de prier. Oh Dieu, que la paix vienne. Oh Dieu, soutiens. Oh Dieu. Voici le temps. Je lis dans un livre. Une société, donc une banque, faisait la publicité. Comment ils aident les villages qui n'ont pas d'eau, les villages où on n'a pas d'école. Alors ils ont demandé aux gens de les poser derrière à cette banque pour aider les villages. Mais les images qu'ils montraient, il y a certaines images où les femmes étaient nues. Les hommes étaient nus. Alors un homme de Dieu est parti voir les banquiers. Il dit, les images que vous montrez sont obscènes. Alors nous te prions d'enlever ces images à la télévision. Si vous n'enlevez pas les images, à une journée, votre banque va faire faillite.
Le banquier lui dit, mais tu es en train de t'amuser. Tu connais les capitales de seulement. Tu connais ce qu'il y a comme capital. Mais toi, tu es black. Ils ont sacré. De quoi tu parles? Sors de mon bureau. Il dit, je sors de mon bureau. Mais demain, ta banque va tomber en face. Sors! Bima! L'homme de Dieu passe à la télé. Il dit, je demande à tous les chrétiens de partout où vous êtes, si vous avez des comptes dans telle banque, demain de 8h à 16h, retirez votre argent. Il est parti. Okay. Le matin, Natongo. Les banques étaient bondées. Banque tondi ba. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il fait retirer l'argent. J'ai mis 10 000, j'ai récupéré mon argent. J'ai récupéré mes 5 000. J'ai récupéré mes 12 000. J'ai récupéré ces 5 000. Ils appellent le directeur. Il dit, si nous comptons jusqu'à 13h, la banque tombe en faillite. Il y a un homme de Dieu qui a dit, il a demandé à tous les chrétiens de retirer l'argent dans la banque. La banque. Il dit, t'es quoi les téléphones? Il était assis avec le pasteur. Il dit, pasteur, je vais te voir. Viens vite. Il dit, si tu veux, c'est toi qui vas venir chez moi. J'étais venu chez toi. Et tu m'as chassé. Maintenant, c'est toi qui vas venir. Oh my God. Oh, Zabena Bay. Oh my God. Zabena Bay. Les banques arrivent. Votre banque arrive. Tout tremblant. Il dit, nous allons les imaginer maintenant. Alors j'ai demandé dans les communiquer. Tu peux s'y communiquer. Est-ce que le pasteur Congolais? Est-ce que ma pasteur à Congo? Nous avons cette opportunité. Tous en quatre n'avons continué. On a cette autorité. Tous en avons cumulé. Avant les hommes, comme le dirait Bolivar. Tika. Ça ne nous regarde pas. De n'importe quoi. Aujourd'hui, Lélo, parce que demain nous prenons pour le pays, bon, nous avons le pouvoir d'arrêter la guerre de l'Est. Le Dieu qui m'a fait de Josué, Josué a dit, soleil arrête-toi, lune arrête-toi, se sont arrêtés, et nous avons le pouvoir de dire à l'Est, la guerre s'arrête. Et si la victoire, nous déclarons sa mort. Il mort subite. Il mort subite. Ça n'a pas arrivé. Je te le dis. Ça n'a pas arrivé. C'est possible. Écoutez, Yoka. Dans ce monde, il y a des nganas qui sont. Il y a des féticheurs. Mais il y a aussi des nganas en train. Ah, la salle n'a pas de ma salle. Le sauveur de Dieu. Ce qui va nganga ya kisi va zali. Si il y a des féticheurs. Il y a aussi des nganas ya nzambe. Ah, il y a aussi des sauveurs de Dieu. Aujourd'hui, Lelo, un féticheur Nangamoko peut laisser sa porte. Avant que nous ne nous fassions pas, nous ne nous fassions pas. 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 Nous étions dans la maison basse. Nous ne nous fassions pas. Dans cet immeuble, il y avait un féticheur qui habitait. C'est de Yolo le savent. Je ne dis pas aux États-Unis ou aux États-Unis. Kinshasa. Cet homme avait toujours un rideau rouge. Il ne fermait pas la porte. Là, je venais de commencer le groupe, la cellule matinale de Yolo. Et j'étais étudiant à Yelka. Alors j'ai organisé une croisade dans la parcelle. Alors ça la croisade n'a qu'à le pas. Alors cet homme Montouana est descendu à Kiti. Il a parlé aux jeunes qui étaient là qui jouaient à la carte. Assuré la bilégue parce qu'il n'était pas achevé. En dessous là-bas il y a des petits qui jouent les cartes et les jeux des dames. Il est parce qu'on met ta carte dans la dame là-bas. Il leur dit à MC Bambo, votre équipe ici
Monte la bino yo. Quand il va prêcher. Alba ya rotea. Je vous dis, il ne va pas prêcher. Merci de rotea te. Dès qu'il prendra le micro pour parler. Je vais le frapper de la diarrhée. Il ne prêchera pas. Elle, je ne sois venu me voir. L'évangéliste. Adieu, à quel nom ma belle. C'est fait. Il va te donner la diarrhée. C'est vrai. C'est vrai. Oui, c'est vrai. La solo. La nuit, je me suis réveillé. La boutoune à la moto. La même âme. J'ai dit Dieu. S'il y a des féticheurs, moi je suis ton nom, ton serviteur. J'ai levé ma main vers la porte. Je dis Père, aujourd'hui, que cet homme sache que je suis ton serviteur. Le matin, il se réveille. Il voulait descendre. Il a raté la marche. Il est tombé, il s'est cassé la jambe. On l'a amené à l'hôpital. Et il dit aux gens, pourquoi vous l'appelez pasteur? Cet homme-là a des numéros. Il n'est plus revenu pour sortir les choses qui étaient dans la maison. Il a envoyé ses amis de sortir. Et ce Dieu-là n'a pas changé. Il n'a pas changé. Il sait qu'il nous demande que nous revenons à la croix. C'est vrai. Nous avons péché. C'est vrai. Nous étions tombés. C'est vrai. On a commis des choses qui n'ont pas plu à Dieu. Mais Dieu nous demande. Revenez à moi. Peuple congolais. Revenons à l'éternel. Des temps pour Chico. Le temps est arrivé. Et cet homme. Du Seigneur. Viens mon secours. C'est mon fils unique. Jésus a dit ça. Amène-moi. Cette soir, c'est toi qui l'appelles. Toi qui es malade. Toi qui ne marches pas. Toi qui ne vois pas. Jésus t'appelle. Jésus t'appelle. Ce soir, il t'appelle. On a mené une femme au Gabon. Ma mémé, moi, Simon, au Gabon. Son mari était sénateur. Mon mari était sénateur. Le ventre gonflé. T'as là, les bons. On a parcouru les hôpitaux. Par qui dans l'hôpital, on est pas de guérison. L'hôpital est. Et on a mené la croisade. Ma mémé, elle est là. Le stade Omar Bongo. Le stade Omar Bongo. On a déposé la chaise devant. Tiens, à qui tu dis bonsoir. Son mari aussi était dans le stade. Mon mari n'est pas allé dans le stade. Pendant que je parlais, je dis Jésus t'appelle. Lève-toi, viens. J'ai prêché. Cette femme est tombée. Elle a commencé à rouler. J'ai dit, ne vous occupez pas d'elle. Elle a commencé à rouler. Elle roulait. Quand je dis Amen, le ventre est plat. Son mari est sorti. Elle est partie à la maison. Ailleurs, il y a un zoom où nous sommes baptisés. Toutes les marées de fétiche. Il a jeté au podium. Aujourd'hui, je donne ma vie à Jésus. Je donne ma vie à Jésus. Je donne ma vie à Jésus. Le président nous a reçus. On a fait un avion. Donc, bah, j'ai avion au Bimba. Pour venir déposer à l'aéroport. C'est Dieu incapable ce soir. C'est toi. Yonne. Tu as des problèmes. Tu es malade. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a la malédiction dans la famille. Aucune femme ne se marie. Moi, si mon père jeune. Rien ne va. Je vais étudier. Pas de travail. Rien ne marche. Mais ce soir, il y a un homme qui t'appelle. Il s'appelle Jésus. Cet homme t'appelle. Jésus de Nazareth. Il a peur de toi. Et dès que la foi s'est approchée de Jésus, la foi était par terre. Il est humain. Et l'esprit était sorti. Aujourd'hui, que cet esprit de maladie qui est en toi doit partir. L'esprit de la sorcellerie, l'esprit de mort, l'esprit de la maladie, tout esprit, quel que soit son nom, aujourd'hui, l'homme a
Je voudrais prier pour un homme. Qui veut donner sa vie à Jésus. Frère, tu t'es battu seul, ma soeur. Tu as tout fait. Tu as lutté. Mais rien. Et échec sur l'échec. Rien n'a marché. Mais ce soir, il y a un homme. Il s'appelle Jésus. Il a besoin de toi. Cet homme, Jésus a besoin de toi. Si tu peux donner ta vie à Jésus, Kolo Nasuki, il dit Seigneur, je suis au bout. La Salignoso, j'ai tout fait. Oyo Mutasalaka, qu'un homme peut faire. La Kokite, je n'ai pas pu réussir. Aujourd'hui, la Ligue de la Paix, je vais donner ma vie auprès de toi. Tu dois la recevoir comme ton Seigneur, comme ton Sauveur. Aujourd'hui, Lelo. Tu veux donner ta vie au Seigneur? Lève seulement ta main. Je vais t'aider. Place au salut. Je vais recevoir. Nous aussi, c'est comme ça un jour. Nous avons entendu parler de cet homme. Nous avons donné notre vie. Tu veux donner ta vie au Seigneur. Tu veux renouveler ton engagement. Ce soir, lève seulement ta main. Balance ta main là où tu es. Je voulais te voir. Merci. Toi qui as levé la main, je t'en prie, mets-toi debout, donne seulement ton nom, donne ton adresse, numéro de téléphone. Demain, lobby, je vous donnerai le jour que je vais vous recevoir. Je vais recevoir tous ceux qui ont reçu le Seigneur. Je vous donnerai le jour. Nous allons manger ensemble. Je vous dirai là où nous serons. Dans un restaurant. Si restaurant. Si chez moi à la maison. Si à l'église. Je vais vous recevoir. Parce que la Bible dit. Si un seul pécheur se dépend. Il y a une grande fête. Voilà pourquoi là où tu es. Si tu peux lever ta main. Et après, vous qui avez reçu le Seigneur, demain dimanche, va à l'église la plus proche de chez vous. Allez-y là-bas. Va à l'église qui est proche de vous. Les filles ont prêché Jésus. Et dites-les, j'ai reçu le Seigneur à la campagne d'évangélisation. Je deviens membre de votre église. Je ne gagne pas les âmes pour mon église. Mais c'est pour le royaume des cieux. Donne ton nom là où tu es. Je demande d'aller à la chorale, à l'orchestre. Pendant qu'on prend les noms. Et vont jouer. On continue rapidement. Yeah.
Qui t'es décidé de recevoir le Seigneur? Mets-toi debout. Lève ta main sur moi dans cette prière. Ne regarde pas celui qui est à côté de toi. Le salut est individuel. L'andanga la maloba oyo. Répétez maloba simananga. Suis-moi dans cette prière. Kolo Yesu. Loba makasi. Kolo Yesu. Na poko lelo. Koma kombo nangai. Na buku na bona. Yo Satana. La misère de sa mère. La polio. Tika fina. La limite qu'on a d'ailleurs, je peux vous saler la vie. Ça, le bon, on a tout le rassemblé la bonne année. Éternel, Dieu tout-puissant. Il est écrit. Si un seul péché, ceux qui m'ont souvent dit mon corps, se répandent sur la terre. À compagnie dans ma télé, il y a une grande fête dans les royaumes. Ils ont connu même les pâtes qui sont dans vos bêtises. Je crois aujourd'hui. Dans un climat et l'eau, maintenant, ça s'est dit. Que la fête est célébrée. Merci pour ton frère qui a donné sa vie. Comment nul ne peut venir à Christ s'il veut perdre la vie. Il demeure à ta présence. Et qui n'ont plus jamais la carte de Dieu. Qui entre dans la famille, dans la grande famille de Jésus-Christ. Je le bénis à ton enfant. Comment on a encore? Amen. 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 On a encore très fort le royaume. On a encore très fort le royaume. Et moi, pendant le temps que vous
Impose ton amène là où tu as des douleurs.
Je vous en prie. Et pendant que nous sommes en train de prier, il y a des démons qui seront touchés. Il y a des démons qui vont quitter le corps. Nous sommes ici à ton nom. Vous allez avoir la pomona. Glorifie le nom de ton fils. Kumisa Kobo ya Mwana na yo. Je te dis ce soir que tu avais perdu la grâce, tu t'es trompé. Ce corps-là, dans le temps du Saint-Esprit, par le pouvoir, tu vas être contre la gloire de Dieu. Thank you.
19h30, 25. J'aimerais dire au peuple de Dieu. On reçoit des témoignages et nous allons partir. Nous avons entendu parler de l'Église. Il y a des gens qui vont loin. Nous avons besoin qu'ils nous suivent. Demain ne vient pas seul. L'homme qui a eu mon côté. Invite ton frère. Invite ta soeur. Invite ton ami. Invite ta famille. Demain c'est le dernier jour. L'homme est mon colasuka. Qui dit amen? Non, la Bible dit. Il dit l'homme. La fin d'une chose. Suka likambo. Vaut mieux que son commencement. Il est qui bandel naengo. Demain. L'homme. Si Dieu me le permet, je poserai mes malades qui sont là. Si j'aurai le temps, ne viens pas seul.
Koya yo mokote. Invite ton frère. Benga ndeko na yo. Demain nous allons prier pour notre pays. Nous mettons au bon de la parole pour la mission. Demain nous allons faire des déclarations. Toko tato la makambo. Nous allons prier pour les autorités. Toko bon de la parole konzi amboka. On commence par le président de la République. Bande na konzi amboka. Le membre du gouvernement. Bande ya gouvernement. Le parlement. Parlement. Toutes les assemblées confondues. Masanga nyonso. Nous allons prier pour notre nation. Toko sabe la parole amboka na mission. Pour la paix. Toko bon de la parole kimia. S'il n'y a pas de paix. Soki kimia zalite. On vient pas prier. Tu voyais vous sembler la terre. Après nous allons prier. Tu allais te ressembler là. Et nos autorités. Féman, bah, comme il a mis sur le corps. Entre les mains du Seigneur. Nous voyons sembler. Qui dit amen. Nous allons dire amen. Lève tes deux mains. Tu vois la mort on a mis balé. Je voudrais te bénir. N'ayez pas mal là. On te donne de communiquer. Et en plus ça va communiquer. Mets ta main droite sur la tête, je vais prier. Tiens, le corps on a mon balé, le corps on tourne, il a sembler là. C'est Béki là qui tremble là-bas, c'est pour qui? Béki, il y en a un an. Asa. Mettez la main sur la tête. Tiens, le bon, on a monté dans la salle. Père! Tata! Nous étions ici à ton nom. Nous allons qu'il y a un combo là. Nous étions réunis ici à ton nom. Je te prie de bénir chacun. Et maintenant que nous rentrons, accompagne chacun de nous. Dans la paix. Aucun incident. Aucun accident. Aucune chose contraire à ton nom. Ne leur arrive. Merci. Matondi. Pour toutes les autorités qui nous ont honorés. Pour la continuer sur mes commémorations. Merci pour tous les pasteurs qui nous ont honorés. Matondi pour la bâtir nos commémorations. Merci pour tous les enfants qui étaient ici présents. Matondi pour la bâtir nos commémorations. Qui est en paix de mer dans nos vies. Qui vient de nous mener à mon avis. Maintenant que nous partons. Si quand nous avons qu'il est. Accompagne chacun de nous. Qui est en abyss. Au nom de Jésus. La commande à Jésus. Amen. Amen. Je laisse la place. 8 ans. À maman. Oya qui pasteur. Maman Yaka. Et là, nous saluons maman. Azalaka Nangola. Maman Makasi. Azalaka Nangola. Micro là-bas, s'il vous plaît. Azalaka Nangola. Oui. Aye Kishasa. Oui. Papa Koufi. Oui. Maman Koufi. Oui. Mais vos hommes, vous avez dit que la biseau, banda zoma passe, on a 8 ans. 8 ans. Donc, vous dites, nous sommes ici, nous sommes à l'objet, maman, n'a pas le mal de soudre, madame, n'a pas le mal de soudre. Donc, maman, l'hôpital était, on dit qu'on a habité. Donc, on est en Zambé. Quelque chose va passer avec vous, mais, dans un Zambé, on a ça, on a dit qu'on a. Les gens ont dit qu'il y a son zoma sali parce que, dès qu'il y a tamoli, je suis un homme qui a été fait pour le Seigneur. Je suis un homme qui a été fait pour le Seigneur. Je suis un homme qui a été fait pour le Seigneur. Je suis un homme qui a été fait pour le Seigneur. Je suis un homme qui a été fait pour le Seigneur. Je suis un homme qui a été fait pour le Seigneur. Je suis un homme qui a été fait pour le Seigneur. Je suis un homme Kolo, bandal le lo. La peine de mon livre, la koufa. Koufa, n'y a pas de l'an d'agio. Ne pose pas. Koufa, n'y a pas de l'an d'agio. La peine de mon livre, la koufa. Et si quand nous sommes là, nous sommes là. Et nous sommes là, nous sommes là. Et nous sommes là, nous sommes là. Le lo. Et si quand nous sommes là, nous sommes là. On pique. On a un témoignage. Mama, if Ipa, love is crazy, love is funny.
peuple de Dieu, shalom. Satan a commis dans 666 manières pour na ko bébé sa destin ya bana ya Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Na destin na yo, oza na yo pauvreté, mais na destin o yo Satan a pèsi yo o komi pauvre. A côté si célibat, a côté si ba blocage, a côté si ba esprit de mort, a komi si bana ba autisme. Bana ba autisme ba yaki ba biki, ba o bazala ki na ba blocage, ba débloqué, vina na ba changer. O bazala mi kumba na bango, bo ya na ngo e pa ina nzambe ye moko ko décharger bino, botala o ba komi décharger. Na ko ko bomba te bolamu nzamba salinga e prophète. Ba opportunité pour nga Clémence comment qui passe, faveur et comment qui passe. Tango na songi, ba opportunité o nga na kutani nango, na kutani na opportunité donc mutunyo sozan avec ça opportunité na vie. Ma porte est fouguama, ma chance est sale. Donc, au coup, t'as na kamboa malam nanzela nga. Na une semaine ou na outozo na deux semaines. Je suis heureuse et je suis vraiment heureuse que nzamba pesinga ba faveur wana, opportunité fouguami, donc ba difficulté ou na zaki yaro kanganga ya makazi. Modèle nzamba débloquango na iba kite kikosa na bo pété boy. Vraiment délivrance, c'est abuna. Très nécessaire. Je suis une femme on a salaire business pour que nalinga makamuna ngekende bien mbongo pe monanaka et puis na na faveur et pas abatu tout ça na za na ba porter funga maka en tout cas na sentir docteur likuma bana ko bale kuma comment ngai na ko ba eza passé bien moi likuma. Na lobaki déjà awa ezali terminus na zana besoin ba oyo ba tambola partout oyo ba luka ba délivrance simbate boya e pai na zambe de boko bika na dose la bino na moto na pesi bino mbote na kombo na Yesu. C'est bien moi votre frère le pasteur Israël Nash. Je vous salue au nom de Jésus. Je suis précisément à Kinshasa. Naza responsable ya Ophelina. Jésus est mon papa. Naye liboso na bino pour na représenter bino bana o bozomo na bilili pe ba difficulté toza nango. Na bandaki musala o ça fait longtemps ya koboko la bana selon ainsi dit l'Éternel. Mais ba difficulté eza mingi, difficulté ya loyer parce que tozo futela et puis difficulté ya futela bana Minerval pour toshi to bandaki. To pesa ki avance mais tikali ndambo. Nazo banga ke bana oyo bakata classe bakoma nango na sukate. C'est pour cela Dieu m'a mis au cœur na lancer message oyo na batu nyonso ya motema malamu basunga bana oyo bozomona na bilili. Bana oyo bozomona na bilili ndambo na jeune rompengaba ndambo victoire ndambo limete et puis ndambo l'état pesengai. Pona bande ko langa nyonso ba congolais bobi ba réalité nini to passer nango na mboka. Soki nga simple individu na ndimi kozwa bana oyo na bokola na ainsi dit l'Éternel. Ce qui l'État s'est décidé, tout le monde a souba fazer na zelate. C'est difficile, il y a aussi un moko. C'est pour cela que nous avons lancé appel na bananyo swanzambe pour na classe ya bana oyo, pour na loyer na bango, kulata pe kulia na bango. Na osenga na batunyo so baza ki sensible, pe baza na motema kosunga ba sunga biso pe ba salisa biso. Toza na commune ya Kalamu, quartier Kauka, référence ya monene tukanga mina université. Kimbangiste a venu comme on a dit, marin numéro 16. Numéro de téléphone à Bissot pour la bateau, balingi va contacter Bissot pour la détail. Moussousou, il a plus 243-89-72-32-229. C'est bien moi, votre frère, le pasteur Israël Nash. Je vous salue au nom de Jésus. Je suis précisément à Kinshasa. Naza responsable à Ophelina. Jésus est mon papa. Naye liboso na bino.
pour nous représenter bino bana o bozomona na bilili pe ba difficulté toza nango na bandaki musala o ça fait longtemps ya koboko la bana selon ainsi dit l'Éternel mais ba difficulté ezamingi difficulté ya loyer parce que tozo futela et puis difficulté ya futela bana Minerval pour tozo to bandaki to pesa ki avance mais tikali ndambo nazo banga ke bana oyo bakata classe bakoma nango na sukate. C'est pour cela Dieu m'a mis au cœur na lancé message oyo na batu nyoso ya motema malamu basunga bana oyo bozomona na bilili bana oyo bozomona na bilili ndambo na jeune rond-point ngaba ndambo victoire ndambo limité et puis ndambo l'état pesengai pona bande ko langa nyoso ba congolais bobi ba réalité nini to passé nango na mboka soki nga simple individu na ndimi kozwa bana oyo na bokola na ainsi dit l'Éternel. Ce qui l'État s'est décidé, tout le monde a souba fazer na zelate. C'est difficile, il y a aussi un moko. C'est pour cela que nous lancé appel na bana nyoso nzambe pour na classe ya bana oyo, pour na loyer na bango, kolata pe kolia na bango. Na osenga na batu nyoso baza ki sensible, pe baza na motema kosunga, ba sunga biso pe ba salisa biso. Toza na commune ya Kalamu, quartier Kauka, référence ya munene tukangami na université Kimbangiste avenue comme nango eza marin numéro 16 numéro de téléphone na biso pona bato balingi ba contacter biso pona ba détail mosusu eza plus 243 89 72 32 229. Tosunga bana oyo okota likambo oko ba bana nzambe nzambe pe akota makambo na bino basunga biso na baka na basaki na bakaye na babiki toenda kotenga na balabala soki mame mila salaka ote na ero biso toa na balabala nzambe abate ya pima mame mili plasa za apese mbongo na na posa totanga ndenge bana batuna sobaza kotanga polo bile peto koma bato kola kombo la binomi papa shika pesa likolo benga ye penza ya kosite te somoni ma ana te kene mbala mo bibile lobi soko ni mosala likambo malamu ozoyoka kwa mabe sala ya malamu parce que ce qu'on vient d'ajouter vient du diable le père des mensonges. Donc si vous avez directement la conviction d'aider Yaya Sala, moi je crois le Dieu que j'adore et je prie Jésus Nazareth. Téléphone à papa oyo nanzela na yo et au sommet pe a obé nanga to pambola nzamba. Donc ce qui ba nzamba pe si biso lo bakete to bokola bango lo lenge to bokola ya biso ndako. Alors ce qui oso préparer rentrée scolaire ya mwana na wako zonga na basket asika na uniforme asika. Pourquoi pas penser aussi na bana oyo nzamba pe si biso nzamba pambola bina balobi oyo yo za ko semer o ko moissonner yango en jour. Tozomi na avenue Kinzola numéro 49, quartier Régis des Eaux, commune de Kisenso, référence 3e Dodan. Pour tout contact, benga biso na ba numéro oyo. Orphelina Vida, lobby ya ba orphelin.